Salut, salut. Alors oui, très clairement, tu as envie de faire une filière technologique dès l'année prochaine. Clairement, vas-y, fonce. Déjà, c'est un domaine où il y a du boulot. Déjà, et il y en aura encore longtemps. Donc déjà, vas-y, fonce là-dessus. Ensuite, bon, je vais t'expliquer pourquoi je t'affiche ça après. Je vais te parler de mon cas à moi et pourquoi je t'encourage à foncer. C'est que bah justement, moi j'étais une sous-merde à l'école. Je naviguais entre bah toutes les matières, grosso merdo, entre 8 et 12 de moyenne, quoi. Voire même certaines années, bah les 3 années où j'ai redoublé, enfin les 3 fois où j'ai redoublé, on peut même dire entre 5 et 12 les moyennes. Donc avant de les refaire. Jusqu'à grosso modo, bah jusqu'à ce que je rentre au lycée. Et je vais te montrer la différence, elle est absolument énorme, et c'est pour ça que je te dis que même si t'es nul en maths, quand tu vas faire de la mathématique appliquée à la technologie dans des contextes où tu vas voir le rôle des fonctions, les rôles des équations, les rôles des intégrales, etc., et surtout les appliquer sur des cas réels, utiles, et surtout voir leur enchaînement logique dans une démarche d'analyse, ou dans une démarche de construction, ou dans une démarche de probabilité prévisionnelle, et ainsi de suite. Là, tu vas comprendre la logique qui se cache derrière la mise en équation, et la mise en équation ne sera plus qu'un outil, et instantanément ou presque, en quelques mois, tu vas rattraper ton retard parce que c'est une approche tellement différente que tu devrais très largement t'en sortir. Et accessoirement, les maths ne sont pas d'un niveau si élevé que ça, contrairement à ce qu'on pense. Alors, moi je vais t'expliquer mon cas particulier, parce que c'est quand même une anecdote un petit peu marrante. C'est qu'en fait, j'étais une sous-merde, comme je l'ai mentionné précédemment, jusqu'à ce que je rentre au lycée, donc. Et pour rentrer au lycée, il me fallait une calculatrice un petit peu scientifique, un petit peu plus évoluée. Et je suis tombé sur une HP RPN. Et le RPN, ça a quoi comme énorme avantage? C'est que bah, littéralement ce qui est marqué. Bon, alors là, l'exemple est un peu débile parce que ça se voit pas. Mais commencer à multiplier quelque chose alors que tu connais pas encore tes variables à la suite, tu sais pas encore ce que tu vas multiplier, moi clairement ça ne m'allait pas. C'est une méthode qui ne m'allait pas. Alors que moi, rentrer des données dans l'ordre, faire l'opération après, rentrer une nouvelle donnée et refaire l'opération après, ça c'était logique pour moi, ça c'était voilà. Alors je t'invite à lire le truc, hein. C'est sur le wiki officiel de la notation polonaise inverse. Donc je te laisserai lire le truc. Mais voilà, typiquement l'idée de la pile là, faire voilà exactement ce qui se passe. Tu rentres 3 dans la pile de données, tu rentres 10 dans la pile de données, tu rentres 5 dans la pile de données, tu fais l'addition, ça fait donc 15 au sommet de la pile de données et 3 en dessous. Et après tu fais une multiplication et tu obtiens bien 45. C'est quand même extrêmement logique. Beaucoup plus logique que de faire une connerie de... Une connerie normale, quoi. Alors sur un cas aussi simple, ça se voit pas, c'est pas évident. Par contre, si tu commences à faire des trucs comme ça, si tu commences évidemment à faire, alors là voilà, là typiquement, là voilà, faire des trucs comme ça, là concrètement, il y a quand même des logiques qui rentrent en compte, quoi. C'est quand même tellement plus simple. Donc je te laisse fouiller tout ça. Et ce qui va être rigolo, je t'ai préparé ça exprès. Tu vas voir, c'est complètement débile. Regarde la différence instantanée. Bon, alors je te passe les autres trucs, mais regarde. Mathématiques, je suis passé quoi de. Comme je te disais tout à l'heure, entre des 8 et 12 de moyenne, à un 20 en examen direct, bam. Et pourtant le niveau était autrement plus élevé qu'un niveau de collège, quoi. Parce qu'en niveau lycée, moi c'est un BEP que j'ai fait, et concrètement, à un niveau BEP, la partie mathématique, t'es quelque part entre un niveau bac et un niveau prépa, quoi, surtout dans la spécialité que j'avais choisie. Donc autant te dire qu'en 2 ans j'ai progressé, mais alors ça a été une fulgurance, quoi. Ça m'a pas empêché de me planter plus tard, mais tu vas voir pourquoi.
Et comme tu vois, voilà, typiquement, tu vois, histoire géo, là, ça typiquement, c'est un domaine normal d'études, on va dire. Et là, typiquement, 13, voilà, c'est crédible. Ça correspond quasiment au maximum des moyennes que j'ai eues quand je faisais quand je faisais mon collège, quoi. Putain, c'est vrai que j'avais cartonné, quoi, putain. J'avais eu de la chance, remarque, parce que l'épreuve technologie. Les épreuves de technologie, comme je te disais, c'est des cas appliqués, c'est des cas concrets, quoi. Donc l'état de système technique, c'est rigoureusement la même chose, mais en mode théorique. Non, c'est l'inverse, pardon. Sciences et technologies industrielles, ça c'était la partie théorique, et l'étude d'un système technique, c'était la partie où on te présente un cas concret, et tu l'étudies, tu réponds aux besoins, Alors, je sais plus, je crois qu'il y avait un truc à simuler pour faire une réparation, il me semble. Enfin, trouver la panne et proposer une réparation avec l'étude technique complète, l'étude de coût, le temps qu'il allait falloir y passer approximatif, etc., etc. Enfin, c'était un truc dans ce genre-là. Et tu vois, la seule progression, rien qu'en maths, boum, ça m'a permis de faire ça et de cartonner un maximum. Et en gros, les 5 points qui me manquent dans les deux cas, concrètement, c'est l'explication d'une part du truc. Il y avait peut-être une ou deux erreurs des raccourcis d'analyse que j'ai fait trop vite ou que j'ai pas bien explicité ou ce genre de choses. Et il me semble que sur une des deux, j'avais pas pu finir. Pour dessin de construction, ça c'est du dessin industriel, c'est 11, voilà, donc ça c'est cohérent avec la moyenne que j'ai eu toute ma scolarité, quoi, voilà. Français pareil, 11, voilà. Cohérent avec la moyenne que j'ai eu toute ma scolarité, entre 8 et 12, comme je disais. Sauf les années où j'ai redoublé, c'était pire. Donc histoire géo pareil, mais j'avais même cartonné un petit poil plus, j'avais un poil plus, un petit point de plus. Pour l'anglais, ça a toujours été facile pour moi parce que c'est beaucoup plus logique que la grammaire française débile. Putain, je m'étais bien sorti en EPS, dis donc, j'avais 8 alors que je suis une merde en sport. Langue facultative ou éducation. Pff, on sait pas ce qu'il y avait là. Je sais plus ce que c'est ça. Ben, ça doit être l'ensemble des autres matières. Ça doit être la moyenne de. Ça doit être la moyenne des autres matières sur le. Ah! Ça devait être la note sur le contrôle continu de toutes les matières, ça je pense. Enfin, de toutes les matières non techniques. Et alors là où ça peut être rigolo, c'est que tu vas voir, moi j'ai arrêté donc le lycée après ce BEP. Et 2 ans plus tard, en candidat libre, j'ai fait un bac. Alors là, tu vois, les épreuves techniques, même les notes, elles étaient pas terribles, quoi. Ça faisait 2 ans que je travaillais, que j'étais plus fait d'école, quoi que ce soit, que j'apprenais tout seul quasiment. Et là, j'ai retrouvé les notes normales que j'avais avant, quoi. 10, 10. Par contre, l'étude théorique, j'avais cartonné, quoi. Et bien sûr, comme je faisais plus de maths depuis longtemps, enfin depuis 2 ans, je suis retourné à mon vrai niveau, je me suis tapé un 5. Donc les deux ensemble, c'est pas grave, parce que ça a fait. Ça s'est équilibré à 10, certainement, mais putain. L'horreur, quoi. L'épreuve professionnelle, coefficient 8. Alors là, par contre, je travaillais depuis 2 ans dans le domaine, donc j'aime autant te dire que là, j'ai cartonné. 16 en coefficient 8, autant te dire que l'examen a été plié, quoi. Donc, formation en entreprise, ça, c'était très certainement ma soutenance. Pratique professionnelle, alors là, 17 en coefficient 5. Putain, là aussi, j'avais cartonné, quoi. Ça devait être très certainement le cas d'application concret. L'économie, gestion, bon bah là comme je travaillais, je connaissais un petit minimum de gestion et de compta et de toutes ces conneries. Donc, donc je m'en suis bien sorti forcément. L'épreuve d'anglais, bon j'avais des bons restes, et puis de toute façon l'anglais, ça c'est un truc qu'il faut que tu bosses par contre, parce que ça va te servir toute ta vie, ne serait-ce que pour lire les documentations techniques des constructeurs, des fournisseurs, tout ça. Donc même dans ta branche, tu vas en avoir besoin. Ou histoire géo 11, comme si j'étais encore à l'école, quoi.
donc cohérent avec mon niveau, avec mon passif scolaire, on va dire. C'était quoi? C'est éducation artistique. Putain, il y avait une épreuve d'artistique, je me rappelais même plus. Bon, j'avais quand même m'en sorti bien. 8 ans sport, encore. Épreuve facultative d'anglais, je me rappelais même plus qu'il y en avait une. Bah, du coup, j'avais eu 7 points d'avance. Et ça me faisait une moyenne totale de. Ah oui, alors là, fallait avoir. Donc, ça, c'était les différents domaines, manifestement. Donc, là, j'avais 200 points, 250, 300, 350 et 400 séparément. Et du coup, ça me faisait une moyenne. Tac, 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 325 points. Et au total, ça me faisait. Ah oui, d'accord, non, ça, c'était les barèmes. 325 points au total qui me faisait une équivalence de 13. Sur un examen, quand t'as déjà travaillé depuis 2 ans et que t'as. T'es sorti du milieu scolaire, putain, c'est chaud quoi. N'empêche que je m'en étais bien sorti quand même. Bref, tout ça pour dire que t'as pas besoin d'être un expert pour aller dans les domaines techniques, contrairement à ce que tu as l'air de croire. Et que si, vas-y, fonce au contraire. Alors, je me rappelle plus ce que tu veux faire, mais je crois que c'est un bac pro et un BTS que tu veux faire, donc très clairement, vas-y, fonce quoi. Au contraire. Tu auras toujours beaucoup plus de boulot en faisant comme ça, plutôt que de faire une école à la con hyper théorique et d'arriver sur le marché du travail en n'ayant jamais travaillé justement. Si tu fais une filière technique, tu auras des stages, tu auras certainement même des soutenances techniques de cas concrets à présenter par rapport à tes stages. Donc, au contraire, vas-y, vas-y, fonce. Allez, à plus. Sur ce bon conseil, c'est l'heure de manger.